סקרים. גם מוצאי שבת כבר אשכנזים גם מצטרפים לסליחות. אני כבר ממש... מוצאי שבת, נו ברוך השם, הספרדים, ודיג'ת ווסמן, כבר סליחותו כמוסה. אז אשכנזים עושים... אם סומן עבור שנה, באמת עושים סליחות. אני רוצה להגיד כנתחי פרוש. פרוש מרווי. אומר הקדוש ברוך הוא, יצא כסי שפעל פעם רק לזון מרווי רפא. מדוני למרית, מדוני לזכות, זה פרובר אנטי פרלי, פתת כמזורי, פינירון פרנטון דרוסי. איזה ראשון, יהיה רצון. Alors bien entendu, dans la parasha de Shavuah, comme on avait déjà dit, comme préface, au précédent drashot, que hommage de Varim, tout un hommage de Moussar, Sefer Moussar, de Moshe Rabbeinu, c'est le livre de Moussar de Moshe Rabbeinu. Mais c'est la Técharim, c'est l'Amhar, Ot al-Vavot, c'est le Vino Bahia, etc. Mais Sefer de Varim, c'est Moussar, de Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver de plus, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? Chercher entre les psukim, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui peut nous renforcer, nous rapprocher, nous préparer à ce grand jour de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, qu'on va se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. En fait, c'est vrai que dans les années précédentes, c'est-à-dire il y a 100 ans, il y a 150 ans, Rabbi Israël Misala disait que Elul, c'est un jour. Quand on entendait Elul, on tremblait. C'est vrai. D'un côté, il faut trembler parce qu'on ne peut pas savoir, Chas v'Shalom, qu'est-ce que l'année peut réserver. Ceux qui sont malheureusement ont vécu une année difficile. Ça a été décrété l'année dernière, à Rosh Hashanah. Donc, comme le disait Rav Nissim Yagen, Chas v'Shalom, il a dit quand il était malade, c'est vrai qu'il était malade. Il a dit s'il savait que cette année, il allait être pris par une grande maladie comme ça. Il aurait hurlé pendant Rosh Hashanah et Kippour. Il n'aurait pas passé Rosh Hashanah et Kippour comme si c'était normal. On fait Rosh Hashanah et Kippour. C'est vrai, il y a quelque chose qui fait peur. Il disait que si les Juifs d'Europe, en 1938-39, ils savaient ce qui les attendait, ils auraient fait Rosh Hashanah et Kippour toute l'année. Jusqu'à ce que la Xéra soit mitbatelet. Prenez ce qu'on ne sait pas. Prenez ce qu'on n'est pas. On n'est pas assez éveillé pour comprendre qu'est-ce que l'année réserve à chacun. C'est pour ça qu'on se dit, il dit le Rav Yagen, une fois il est arrivé d'être dans un hôpital. Il avait un enfant, je ne sais pas, 7, 8 ans peut-être. Il était très très turbulent. Il courait d'un endroit à l'autre, il cassait tout. Il cassait tout au passage. Une infirmière qui venait avec un plateau plein de comment on dit, des éprouvettes et les médicaments et tout ça, prah, il a fait tomber avec le plateau. Elle est tombée, elle a fait, je ne sais pas ce que c'est. Alors Rabbi Yagen ne comprenait pas. Et puis il voyait que cet enfant-là, tout le temps, il disait à ses parents, « Papa, je veux un Pepsi, papa, je veux un cola, papa, je veux ci. » Et toujours, ils allaient lui acheter. Allez, il veut un Lego, il veut truc, il pleurait, il veut ceci, il veut ça. Et toujours, ils allaient lui faire plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui ne comprenait pas, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant-là? Il va finir par tout casser ici. C'est pas normal, il va les tuer. Alors, il a commencé à parler avec l'infirmière, il a dit, madame, vous pensez que c'est normal de laisser un enfant comme ça perturber tout le monde? Alors, il a poussé un grand soupir, il a dit, si vous saviez qu'est-ce qu'il a cet enfant. Il est très, très, très gravement malade, il ne lui reste pas grand-chose à vivre. Alors comment ça se fait que l'enfant était tellement heureux et tout, il criait, il se faisait. Parce qu'il n'était pas au courant. Parce qu'il ne s'imaginait pas qu'est-ce qu'il attendait. C'est pas vrai. Alors que ceux qui savaient, ses parents, les médecins et tout ça, ils savaient qu'ils étaient tristes. Ils savaient qu'est-ce que... Et finalement, effectivement, 2 semaines après, il est mort. Il avait l'air très... en bonne santé et tout. Chez Michemont, Vietzim. Les Moussardises, quand à l'époque,
Les contrebandiers, ils passaient la douane, ils déclaraient qu'il n'y avait rien, qu'il avait rien à déclarer, alors qu'ils avaient beaucoup à déclarer. Et ils prenaient le risque. Alors, le marchand qui prenait qui louait la charrue pour lui faire passer la douane, il avait très très peur. Depuis la nuit d'avant, il n'arrivait pas à dormir. Des semaines à l'avance, il n'arrivait pas à dormir. Il savait qu'il allait passer et que tout risquait de... S'il se faisait attraper, c'est la prison, il perd tout son argent. Mais il devait le faire. C'est ça par là, ça. Il n'avait pas le choix. Alors, combien de temps avant il ne dormait pas? Des semaines avant il ne dormait pas. Depuis qu'il a commencé à préparer le coup, il n'arrive pas à dormir. Chauffeur, comment on dit, le cocher, il dort très bien. Donc pendant le trajet, quand il approche un peu de la douane, de toute façon lui, ça lui est égal, l'autre qui se fait prendre. Bon, on va lui dire, tu savais, moi je savais rien du tout. On peut lui faire des ennuis, mais il sait que ça finira pas passé. Mais ça n'inquiète pas, il ne veut pas avoir des ennuis avec... S'il se fait confisquer toute sa marchandise, il ne veut pas lui payer. Peut-être qu'il s'est fait payer d'avance, alors c'est rien. S'il est intelligent, il s'est fait payer d'avance. Mais peu importe. Les Baalei Moussar disent, les seuls qui ne sont pas du tout perturbés, les seuls qui sont indifférents, ils s'en fichent pas mal, ils bronchent pas, qui c'est? Les chevaux. Les chevaux. Ils passent la douane comme si de rien n'était. S'ils pouvaient sourire, on aurait vu leur sourire. Mais non, ils n'ont pas, à cause de beaucoup, n'aura pas attribué la possibilité de sourire. Le sourire, c'est la neshama. La neshama, c'est rien qu'à l'homme. C'est pour ça que les animaux, ils n'ont pas la capacité de sourire. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Que pour se réveiller, il faut avoir date, il faut savoir. Il faut savoir, il faut se réveiller. Donc c'est vrai que le Elul, c'est une période où il faut avoir peur. Il faut se réveiller, il faut... Un Hasbe Shalom. Les gens qui, s'ils savaient, ces gens-là, hier j'ai été faire un Nihon Avelim, quelqu'un qu'on a connu bien, malheureusement il a été pris par la maladie la semaine dernière, chez Mishmo. S'ils savaient, des gens qui ont commencé l'année comme des chevaux, des taureaux, ils ont commencé l'année. Ils l'ont fini, chez Mishmo, très vite, mais seulement. Si c'est la santé, si c'est des jugements, si c'est des pertes d'argent, si c'est... Toutes sortes de choses qui peuvent faire du chemin. Mais d'un autre côté, il faut attendre ces jours avec impatience. C'est tellement beau. Sauf, on a, Akadoukou nous a donné la possibilité de s'attacher à lui vraiment. Il y a même une oreille, je n'ai pas besoin de vous dire. Même ceux qui sont vraiment comme des chevaux, ils deviennent des hommes, pour quelques jours peut-être. Mais il y a des chances quand même qu'on continue même pour le reste de l'année. Ça dépend de la préparation. En Elul, plus on creuse, et plus le binyan peut être plus haut. On construit un gratte-ciel, il faut creuser au moins la moitié du gratte-ciel par terre. Alors quand on creuse, on prépare des bases solides, et après ça peut... Alors si on veut une année, le maximum, Beit Alout, le maximum avec attachement à Kadosh Baruch Hu, le maximum pendant l'année, maintenant il faut creuser. C'est pour ça que les Baalei Moussar, ils attachaient tellement d'importance à Elul. Alors, dans la Hassidut, on dit, attention, il ne faut pas trop exagérer, il ne faut pas trop... Parce que si, je pense que je l'avais dit la semaine dernière, qui devinait Marakel et Gagecha, l'otassim d'amim bevetecha qui pour la nofen humaine. Est-ce que vous avez dit sur les touches-là? Je ne vous l'ai pas dit. Au nom du Hatam Sofer. Hatam Sofer dit, même quand on fait Tshuva, il faut savoir comment la faire. Il ne faut pas exagérer. Quand tu construis un maake, une balistrate, comment on dit? Maake. Une barrière, pour ton toit. Là, c'est un maake de gagecha. Quand tu construis une maison, il faut faire un maake. Kitivne bait hadash. Quand tu construis une nouvelle maison, v'asita maake de gagecha. ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. נראה אתה מסופר, יסגיד לתשובה. בית חדש, זה לא רנובו, הוא קונסטרוי נובל מזון, זה אומר, notre corps, notre âme,
On la rénove quand on fait tchouva. La prison elle était sale, allez, on la lave, elle redevient neuve, flambante neuve. Avec la tchouva, quand on fait la tchouva, il faut la faire qui t'y venait. Je ne sais pas s'il a écrit ça lui-même, parce que j'ai vu ça rapporté en son nom. Mais il y a aussi le mot Tevouna, donc qui t'y venait. Baït Hadash, quand tu veux faire la tchouva, tu la fais avec Tevouna, avec intelligence. C'est vrai. Il faut faire un ma'aké. Il faut faire des gdarim. C'est quoi ma'aké? Quelqu'un qui a trébuché dans des averot. Alors il doit s'éloigner, il doit faire une barrière. Ne pas trop s'approcher de la avera. S'il sait que quand il s'approche d'un certain monsieur, ça dégénère en lachant l'ara, alors prends distance, tu vois là-bas, fais-en long, tu l'as pas vu, change de cap, le temps qu'il s'en aille. Sinon, tu sais très bien que quand tu vas l'approcher, ça finira par passer au lachant l'ara. Alors éloigne-toi. Ne pas se mettre dans un endroit, on risque de tomber dans un isayon. Il a fait une barrière. Aval. Il ne faut pas exagérer aussi, il y en a qui vont jusqu'à l'autre extrême, ils ne tolèrent plus rien du tout, ils s'éloignent jusqu'à un endroit où on commence déjà à perdre la tête. Attention, ne pas faire de cela un drame dangereux, un drame mortel, damim. Si on exagère trop, on va donner... Rambam dit, faut pas... Toujours faut derech ha-memoutza. C'est vrai qu'il y a des choses comme la hanava, il faut aller à Adakatse Aharon, etc., etc. Mais il ne faut pas trop. Lama tishomem, ati et tzadik arbe. Ki pola nofel, mimenu. Parce que had veshalom, si on exagère dans la tchouva d'affaires, dans un endroit trop kitsoni, trop extrême, il pola nofel, il risque de retomber, mimenu, de cette tchouva même. La tchouva risque de le refaire tomber. Et ça risque d'être grave. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça, qui hasbe shalom. Moi, j'en ai vu comme ça à l'Eshiva, quand je voyais des gens qui étaient des anges. Trop. C'était pas leur mesure encore. C'était un peu de la gava hein, de s'estimer assez fort pour monter trop fort. Et à la fin, ils ont craqué, ils sont tombés, ils ont coulé, c'est fini. Hashem Elohim Alem. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit, il y a aussi. Cette joie, savoir que Rosh Hashanah approche, il faut être heureux, parce qu'on va avoir l'occasion d'aimer de se rapprocher de l'amour, avec les tfilot, avec la tchouva. La tchouva, c'est pas difficile. Quand on dit le Havetz Haïm, on a déjà arrêté tchouva, c'est quoi la tchouva? Harata. Il faut regretter, vraiment regretter, avec ça, avec le moussard, on fait beaucoup de moussard, on regrette. Bémet. On voit que le cœur, il s'est ramolli. Vidouille, reconnaître sa faute. Quand on reconnaît sa faute, on a déjà fait la plus grande partie de la route, parce que le problème, malheureusement, c'est que même si consciemment on croit avoir reconnu sa faute, inconsciemment, on n'a pas encore reconnu. Si on l'avait reconnu, on ne serait pas retombé dans la faute. Donc c'est sûr qu'il faut faire. Il faut faire Harata, Vidouille, Kabbalah, Léati. Kabbalah. Une bonne Kabbalah l'air. Et avec ça, là c'est la tchouva. La difficulté c'est d'emmener dans le Havero. Maintenant, le Havero, il faut vraiment faire attention, il y a beaucoup de travail à faire. Le travail des midot, et il faut travailler. Mais c'est ça notre bonheur, c'est pour ça qu'on est venu. Maintenant, les gens disent, Barley Moussard, si la personne ne vient pas travailler, pas ses midot, la Malohaïm, pourquoi elle est venue dans ce monde? Donc c'est ça, hein. On a. Déjà, tout ça c'est l'introduction pour nous dire que Bezrat Hashem, on doit être heureux d'avoir l'occasion de se travailler, de se rénover et de s'approcher. Donc tout ça, bon Hashem, on commence à vivre, on a, même l'essentiel c'est de creuser assez profond pour que la construction qu'on va construire, notre dimension spirituelle puisse rester et progresser pendant tout le reste de l'année et arriver à des grandes madrigotes. La plus forte raison, en train de Baruch Hashem, on a le mérite dans une yeshiva, en Eretz Israël, en face de Shmuel Hanavi, avec Rosh Yeshiva, notre Rosh Yeshiva, avec tout le Derech Halimoud, les Rat Shamayim, Baruch Hashem. Donc c'est un grand bonheur.
C'est un grand bonheur d'avoir la Torah. La Torah, elle facilite beaucoup de choses. Quand on a la Torah m'a tèche et kohosh le yetzerara. Bon, Hachem, on étudie avec le Samahta, avec Olatov. Il y a un Orachim Akadosh très très connu dans cette paracha. Le Samahta, avec Olatov, dit l'Orachim Akadosh, c'est quoi Tov? En Tov, en la Torah. Je n'ai marqué le carton, la tatilachem, Torati, la tazou. Dit l'Orachim Akadosh, il nous a eu à briot et odot. Si les gens savaient combien la Torah elle est douce, comment elle est bonne, qu'elle est délicieuse. Hayou mitlahatin, mishtagaim aharia. Les gens sont devenus fous de. Ah. Mais c'est effectivement comme ça. Les Gdolei Israël, quand ils ont vraiment étudié les Shem Shamaim, ils se sont neutralisés de toute autre chose, de toute autre hashpa. C'est pas un mélange avec le bon et le mal. Quand on mélange le bon et le mal, on peut pas arriver au maximum de hana'a de l'ishtagé aharia. On peut pas. Parce qu'il y a le mal qui tire de son côté aussi. Même assez avec. Un empereur français, non pas dit, si c'était Napoléon, pas peut-être, je ne sais pas, qui est arrivé en Russie. Et là-bas, on lui a fait goûter une sorte de saucisse, très très bonne, il a adoré. Dommage, il a tellement aimé, il a dit à son chef cuisinier, tu prends la recette, à Paris tu me fais ça 5 fois par semaine. Non, d'accord. Il arrive à Paris, le chef il prépare. Quand il arrive, il lui amène le chef, déjà en arrivant avec le plateau devant l'empereur, il se dit, ah bon Hachem, puisqu'il va tellement aimer, il va me monter le grade et la paye et tout ça. Il a commencé déjà comme la laitière et le pot au lait, il a commencé déjà à travailler tout le. Et quand il arrive, eh bien, les œufs sont cassés. Pourquoi? Parce que l'empereur, il avait. Quelle odeur de... qu'est-ce que tu as fait? Comment on dit, tu es licencié. Ah, licencié, pourquoi? Mais j'ai la recette telle qu'il m'a donnée, je l'ai faite à la lettre, à la virgule. Peu importe, ça sent très mauvais, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Va-t'en. Je dis, mais votre excellence, je sais pas comment on dit, majesté. Je dis, mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est ce qu'on m'a donné. Je sais pas. Elle dit, bon, d'accord, je te donne encore une chance. Tu vas maintenant, tu retournes en Russie. Et tu demandes au chef là-bas des Russes, tu demandes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça va mauvais. Alors il est arrivé, le pauvre, il a fait toute la route. À l'époque, ça devait prendre 3 mois pour arriver. Il arrive. Hein? Il demande au chef cuisinier, il dit, dites-moi, c'est ça la recette? Il y a même signé, je lui ai dit, mais oui, c'est vrai, c'est la recette. Il dit, alors pourquoi ça sentait mauvais? Ça sentait mauvais, c'est pas normal, je sais pas quelle sorte d'intestin vous avez là-bas, je sais pas. Dites-moi, vous avez lavé les intestins avant? Il dit, mais c'est pas écrit dans la recette! C'est pas écrit dans la recette qu'il faut les laver! Ah, j'ai compris. Il dit, vraiment, vous n'êtes pas... Comment vous... Dis-moi, tu as besoin que je t'écris qu'il faut laver les intestins? Ça fait pas partie de la recette, ça c'est normal. Les intestins, ils sont pleins de choses qui ne sont pas agréables. C'est des odeurs, c'est là. Si tu n'as pas compris tout ce qu'il fallait les laver, alors désolé pour toi, je sais pas. Ça, c'est le ma'asé. C'est un ma'asé. Haya ou lo'aya, j'en sais rien. Aval, on s'en est servi pour un imshal. On veut avoir que les tfilotes soient mitkablot. On veut avoir tellement de projets. On veut que ça. Il y en a plein qui ont fait des tfilotes. Et pourquoi ça ne marche pas? Alors que tous les tzadikins disent qu'il n'y a pas un tfilah hazret rekam. Tu sais pourquoi? Tu as fait toute la recette, c'est vrai. Tu as fait des tfilotes, tu as fait tout ce qu'il faut. Mais. Les intestins, la bouche. Tu l'as lavé avant? Ou bien tu es arrivé avec la même bouche qu'il y a une demi-minute, tu as parlé de la chanara, rechilut, kas, gavat, et puis tu viens, les bonnes chanara, je vais utiliser la Torah. Ça sent mauvais. On ne peut pas accepter une fila comme ça. Alors c'est ça, soumerava à cette Torah. Kadosh Baruch Hu nous a donné cette occasion de faire. C'est toujours, il faut, bon, Hachem, bien, bien, utiliser la Torah. La Torah nous donne la possibilité de, étudier, avec l'étude déjà, avec Samahta, avec la Torah. La Torah peut nous apporter, on a dit, si on prie, on fait des tfilos, et on étudie, on peut arriver, l'ishtaguer. C'est pas difficile, mais donner Israël.
comme Arav Shalom Morzekani, Arav Shalom, on raconte de lui déjà à l'époque, qu'il ne savait pas s'il avait mangé ou pas. Sa femme lui a amené de quoi manger. S'il y avait encore dans la salle quelque chose, c'est qu'il n'a pas encore mangé. S'il n'y avait pas, c'est qu'il avait déjà mangé. L'étudiant, il y avait Mamash Omekayon, comme ça on raconte aussi beaucoup de Gdolei Israël. On va dire à la vache à l'homme, pareil, il ne savait pas s'il avait à manger ou s'il n'avait pas mangé. S'il a... Quel? Aussi, le, comment ça s'appelle, Hatam Sofer à la vache à l'homme, pareil. Une fois son Shamash, il a vu qu'il ne mangeait pas les gâteaux, il avait faim, il a dit de toute façon, il ne va pas se rendre compte. Il était tellement sûr qu'il était versé dans la Torah. Il ne va pas se rendre compte, il y a des gâteaux, il n'y a pas des gâteaux. Il avait l'habitude de recevoir des gâteaux pour, en attendant, entre les deux repas. Alors, mais ses plans n'ont pas marché. Hatam Sofer dit, dis-moi, tu as amené les gâteaux? Il a dit, oui, bien sûr, je les ai amenés. Alors, où est-ce qu'ils sont? Rav, vous les avez mangés, parce que vous les avez mangés déjà. Vous êtes tellement chaco à Balimoud. Il a dit, écoute, tu as raison, si j'ai mangé ou j'ai pas mangé, tu as raison, je n'ai peut-être pas fait attention. Mais une chose est sûre, que la bracha harona, c'est sûr que je dois me rendre compte que si je l'ai faite ou pas. Or, je ne me rappelle pas avoir fait bracha harona. Donc, ça veut dire... Bon, il a fait vite, oui. Donc, il a dit, c'est Oui, mais... Donc, Israël. On raconte du Rabbi Aaron Kotler à la machine. Rabbi Aaron Kotler. Une fois, il y avait le feu. Il faisait un grand chiot, des heures de chiot, des heures. Et la cheminée, elle s'est coincée, et toute la maison commençait à se remplir de fumée. Les Bahourines, les Abrichim, ont commencé à ceux qui pouvaient tenir, il a tenu tant qu'il a pu. Et les autres, ils ne pouvaient pas, ils sont sortis. Et lui, il était encore en plein dans son pipeau, là, les yeux fermés, papa. Jusqu'à ce qu'à la fin, après 3 heures de chiot, qu'il n'y avait personne, il parlait au banc, il parlait. Au banc. Parlez au banc. À la fin, il ouvre les yeux. Ah, il s'est rendu compte de la fumée. Tout le monde sortait vite, vite, sortait tous. À qui il a parlé? Il a parlé au banc. Les bancs sortaient tous. Il ne s'est même pas rendu compte, il montait vers la Torah. Ça, c'est les Gdolim, quand on a travaillé, l'Erat Shamay, on a travaillé la Tfila. Et là, Atmada, alors Zah, Shemen Katit Zah, avec ça on peut arriver à des sommets extraordinaires, on peut arriver à ce qui est écrit après, Vashem Emir Chayom, Emir Nashon, être au sommet, quand on est au sommet, et Tigzar Omer Yakom Lach, Emir Chah, Omer, Gzera, Rav Galinsky, alors Shem, il raconte, le Havetz Haïm, bon, il raconte qu'il y avait un bahour yeshiva. Yeshiva, un jour, il a reçu une maladie, Rahmana Litzlan. Il commençait à gonfler. Il ne pouvait plus sortir par la porte. Ils ont fait tout. À la fin, ils ont dû le mettre dans un hôpital. Pendant 12 ans, il est resté comme ça. Immense, gonflé. Il n'y avait que ses yeux qui bougeaient. Il ne pouvait rien faire. C'est une maladie terrible. Un jour, l'infirmière arrive à l'hôpital pour lui donner à manger. Elle s'est évanouie. Pourquoi? Après 12 ans, il s'est levé, il a commencé à manger tout seul. Et puis il s'est levé, on l'a aidé un petit peu, un petit tubé au début, mais petit à petit, il a commencé à reprendre ses mesures normales. Alors les médecins, ils n'ont rien compris. D'abord, ils n'avaient rien compris à la maladie, mais encore plus, ils n'ont pas compris comment elle a guéri subitement comme ça, sans crier gare. Comment c'est passé? Ils n'ont pas compris. Rav Galinsky dit que comment ça s'est passé? Il avait un ami, ce malade, il avait un ami qui faisait des collectes pour l'aider, pour subvenir à tous ses besoins, aux soins, etc., etc. Il fallait bien le garder dans un hôpital, ça coûtait de l'argent. Alors un jour, il est arrivé pour la collecte dans une ville juste à côté, à quelques kilomètres du Havetz Haïm. Il a dit, bah, tiens, si déjà je suis là, je vais aller voir le Havetz Haïm qui donne une bracha. Le Havetz Haïm, il entend quoi? C'est quelqu'un qui est Shomer Shabbat, celui-là il est bien, il est. Rabbeinu, c'est pas Shomer Shabbat, c'est un grand Talmid Hacham, c'est un Talmid de Shivat Novardok. C'est comme ça, j'ai l'air de fois Hachlema. Au moment où il a dit ça le Havetz Haïm, dont il a commencé à se dégonfler, il est devenu.
C'est ça, ça quand on a le mérite d'avoir la Torah, les Kedoshah. Si on a le mérite de l'ilmodota, le kayemota, on peut arriver. L'ishtagea. C'est un problème, pourquoi on n'arrive pas? Quelqu'un a posé cette question-là. Et tu m'aurais organisé, il a dit, ben l'ishtagea, pourquoi on n'est pas l'ishtagea? Elle dit, parce que je suis désolé, mais je suis un simple coq. Même tu me dis, moi je suis un coq? Pourquoi tu me vexes comme ça? Qu'est-ce que je te fais? Elle dit, il n'y a pas que toi, on est tous un petit peu comme ça. Pourquoi? Elle dit, voilà une histoire. Une fois, on a fini de manger, aujourd'hui il y a des nappes. On prend la nappe, même à l'époque il n'y avait pas des nappes en plastique, etc. Mais il prenait la nappe, telle qu'elle. Il rend la nappe et il jetait tout à la poubelle. Il sortait la nappe. Voilà qu'il y avait une bonne dame qui a laissé ses bagues sur la nappe, avec des diamants et tout. Mais ça, on n'a pas fait attention, ils ont pris la nappe, ils ont tout versé dans la poubelle, avec les bagues. Maintenant, après ils ont cherché la bague, ils ont compris qu'elle est tombée là. Ils ont cherché dans la poubelle. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient dans la poubelle? Un coq, en train de manger. Tous les débris, tout ce qui restait, tous les restes. Donc là, il y avait quelque chose qui l'intéressait. Puis ils ont vu justement, il a mis la balle dans son bec. Il a rejeté tout de suite. Avec dédain, il avait dégoût. Elle n'est pas bonne cette balle-là. Il a jeté. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris toutes sortes de choses presque pourries. Il a commencé à oui, il a bien aimé. Là, c'était tout ça. Malheureusement, on n'est que des coqs. Si on avait vraiment le bon goût, si on savait vraiment être ma'arir, donner la juste valeur à la Torah, Kedosha, alors on aurait pas comme ce coq qui jette le diamant, on aurait pris le diamant. Malheureusement, le Heshek à nous, est-ce qu'il va? Il va dans les bons aliments, dans la discussion, dans les informations. C'est vrai qu'après, qu'est-ce qu'il nous reste pour la Torah? Un petit peu, voilà. On n'est pas Mishtagéa. Pour ça, il faut s'investir à fond. C'est vrai. Il faut se donner du mal, beaucoup de mal, pour rester collé au limoud, même les terrains où ils cherchent à nous faire sortir dehors. Non, on reste encore, on se donne. Là où le CDR est fini et tout ça, on reste encore 5 minutes, dire votre chaîne. Alors là, petit à petit, le Heshé commence à rentrer. Je dis en route là pour. Je vous dis qu'il y a toujours le Rav. Le Rav Levinstein, il parle. Là, j'ai écouté rien que la fin de l'histoire, mais il raconte sur un enfant des Irguné Kirouv, Lev Shomea. Kirouv, c'est quoi le Kirouv? C'est des gens, des enfants qui ont été recrutés dans des familles qui commencent à faire tchouva. Hein? Alors, on les a mis dans un Talmud Torah. Apparemment, c'est de ça qu'il a parlé. Je ne suis pas sûr, mais vous pouvez vérifier. Et cet enfant-là, d'après ce que j'ai compris, apparemment, il ne correspondait pas tellement à la yeshiva, au Talmud Torah, je ne sais pas, on dirait qu'on a voulu le... J'essaie de deviner le début de l'histoire par rapport à travers la fin de l'histoire. Alors, on lui a dit, « Atalo kokach matim, tu n'es pas tellement, etc. » Alors, je ne sais pas, il est arrivé chez un rab, peut-être le rab Lichten lui-même, et on lui dit, écoute, qu'est-ce que tu sais comme Mishnayot? Il a dit, voilà, je connais les Metzirot, etc. Il a dit, bon, écoute, maintenant, laisse tomber tout, pas les Shiva, les Nota. Tu veux, tu prends rien que les Mishnayot et tu les répètes. Tu connais quelques Mishnayot de Baalpé? Ouais. Alors, commence à les faire. Répète. Et tu es avec tout le Nigoun, avec tout le Heshek. Répète. Voilà, je te le dis, pas pour moi, ni pour les Shiva, ni pour rien du tout. Rien que pour toi. Alors l'enfant a commencé à répéter le Mishnah. Il savait le Mishnah, des parakim entiers, il savait. Mais, je ne sais pas, il devait avoir quelque chose qui clochait, je ne sais pas quoi. Il s'est mis à répéter. Pendant une heure et quart, il n'a pas arrêté. Il était tellement enthousiaste de se répéter encore. Et nous étions chez l'homme, et nous avons la crise, et peut-être avec Mangina, tout était très, très, très gai de le faire. Après, il a dit, alors combien de temps ça fait que tu fais les Mishnayot maintenant? Oh, ça fait un quart d'heure. Je suis heureux de t'informer que ça fait déjà une heure et quart que tu es en train de faire les Mishnayot. Tu t'es même pas rendu compte. Une heure et quart. Et lui croyait que c'était un quart d'heure. Il a dit, si c'est comme ça, alors il a entrepris de. Il a dit, voilà, je te donne une bouteille de vin pour faire le sion. Quelques jours après, il a dit, alors, qu'est-ce que quelqu'un lui a dit, Rabbi, la bouteille de vin, je la garde pour le sion, ma chasse.
Pas pour Sioum HaSeret, le Sioum HaShas. Je le garde pour le Sioum HaShas. Pourquoi? Maintenant, j'ai découvert le goût de la Torah. Alors, il explique le Rav Lichtenstein. Tant que cet enfant, il était pris par... Il fallait qu'il étudie pour faire plaisir à son père, faire plaisir à sa mère, pour faire plaisir à son rat, parce qu'il était jaloux de son copain, etc., etc. Tant qu'il y avait toutes sortes de circonstances atténuantes, alors il y avait quelque chose qui clochait. Je ne sais pas, comme je n'ai pas entendu le début de l'histoire, mais j'ai compris à travers la fin. Mais maintenant, il a vu que de toute façon, il n'y a pas de shiva, il n'y a pas de truc. Maintenant, c'est rien pour le plaisir d'étudier, pour le kiff d'étudier. Alors là, il a reçu vraiment le goût parce que c'était propre. Et c'est là qu'il a commencé à... Et effectivement, il a commencé à étudier, il est devenu un Talmid Chacham Gadol. On voit quoi. Quand on s'y met, on a déjà... On a expérimenté à l'époque au Kollel. Au Kollel de Rav Gamliel, chez Ibari. Que... D'admettre que le Ikar, Heshek HaTorah, d'où il vient, c'est pas pendant le Seder. Pendant le Seder, c'est très bien, c'est sûr, il faut étudier au maximum. Mais quand le Seder est fini et qu'au lieu de Tino Kabola Hameta Sefer, au lieu de tout de suite aller, il y a déjà l'odeur des aliments qui arrivent, on reste encore 5 minutes. Au début, 5 minutes. 5 minutes rien pour les Kabbalah d'Hachem étudier encore. Quelque chose, je ne suis pas obligé, mais je le fais. Alors ça, ça donne du Heshek. Demain, ce sera déjà 10 minutes de plus. Après un quart d'heure. Après, on oubliera de manger quand le stapler. Il venait jamais au réfectoire, à la yeshiva, comme ça, on témoigne de lui. Les tamidim qui étaient avec lui, jamais il venait. Il pouvait pas, c'est haval d'aller perdre du temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, il aurait pu même ne pas manger. À la fin, il serait contenté de n'importe quoi. Alors, il y a des parents qui lui amenaient son assiette pour qu'il mange pendant qu'il étudiait, lui. Qu'il mange. Jusqu'un jour, Rosh Yeshiva, il voit, il vient qu'il ne mange pas. Il dit alors, tu ne manges pas? Il dit, j'ai mangé. Comment? Qu'est-ce que tu as mangé? Le Rav, il a constaté qu'il y avait de la poussière qui tombait du plafond. C'est ça ce qu'il mangeait, il croyait qu'il était en train de manger. Il a mangé ça, il ne s'est même pas rendu compte le goût, ni rien du tout, il a mangé. C'est comme ça. Parce qu'il a, il s'est donné pour l'atmana. Alors c'est ça, il faut savoir. C'est aussi quelque chose de très important, la tefila. Prier, faire des tefilotes, où Ezrat Hashem Barach arrivait, beaucoup de tefila, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas sans tefila. Ça ne bouge pas. Nahadoni, je aussi le dis, tout le monde le dit. Mais la tefila, c'est le Mateoz, Biat Konadam. C'est une sorte de spectre, non, pas de spectre, de sceptre, sceptre. Le sceptre, pour pouvoir faire intervenir Kadosh Baruch Hu, de nous donner la Chokhma, de nous donner le Heshek, de se débarrasser des mauvaises midot, de se débarrasser de tout ce qui nous empêche à vraiment devenir des Talmid Chacham Amitiim, l'Ikhvod Hashem, pour connaître la Torah, avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la Torah pour la connaître, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Voilà, tous les dargot qu'il y a, avec beaucoup de tefillah, on peut y arriver. Même pour la Mehina, pour tout. Regardez-moi une histoire extraordinaire. Aujourd'hui, je suis un peu riche en histoire, mais c'est bien, c'est pour être meilleur. Maaseh Shaya. Il y avait un avrech. Il avait l'habitude, toujours avant Rosh Hashana, de faire venir un autre avrech qui était. Il faisait sa parnassa par. Il coiffait les gens chez eux à la maison, il leur coupait les cheveux. Alors, il était toujours précis, il arrivait toujours à l'heure. Alors cet avrech-là, toutes les années, il arrivait à l'heure. Il fixait un moment avant Rosh Hashana, il venait, il voulait jouer à lui et tous ses enfants. Toute la famille passait. Cette année-là, il n'est pas venu. Un quart d'heure, 20 minutes, il n'arrive pas. Il appelle, dis-moi. Ah, j'ai complètement oublié. Désolé, tu sais, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, l'année d'heure demain, je viendrai à la maison. Le lendemain, il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage, alors, 3 demain, j'ai dû voyager parce que si, mais Kitso, Rosh Hashana est passé, il ne s'est pas encore coupé les cheveux. Après Rosh Hashana, encore une fois, des contretemps à gauche, à droite, c'est plus. D'où ça vient? C'est d'où ça vient? Il s'est résigné, aller se couper, faire couper les cheveux chez un coiffeur. Certainement, ça devait coûter un peu plus d'argent. Certainement, il fallait attendre là et faire la queue, surtout avant la fête. Bon, il est allé là-bas, chez un coiffeur pas loin de chez lui. Dès qu'il rentre chez le coiffeur, il y a un autre avec qui lui saute dessus. Ah! Mon Hachem, heureusement que je t'ai vu. Ça fait un an que je te cherche. Je t'abâche, voilà, t'as d'arabâche, que je t'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu me connais? Je te connais même pas.
Non, 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 moi je te reconnais, c'est toi, c'est toi. Quoi, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et écoute, un jour on était au Cotel. Alors quand on est sorti du Cotel, les bus là-bas, ils arrivent, ils remplissent, ils sont pleins à craquer. Après, on ne peut plus, il faut attendre le prochain bus. Et moi, j'étais très pressé. Et toi, tu étais sur le point de monter. Je t'avais comme ça, je suis monté avant toi, je t'ai laissé là-bas. Genre, le chauffeur a fermé la porte et il est parti, je t'ai laissé là-bas. Et j'ai eu des remords jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à me remettre ça. Comment j'ai pu te faire cela? Et je voulais te demander pardon et je savais pas d'où, je savais pas où te trouver. Alors toute l'année, j'ai pas arrêté de faire des tefillotes. Quelqu'un de Bokhoui me fasse trouver que je te rencontre avant Rosh Hashanah. Pour que je te puisse demander Mehila. Alors imagine-toi un peu que je suis ici, j'habite même pas dans cette région-là. Pourquoi je suis venu chez ce coiffeur-là? Parce que j'étais en train d'aller chez le Rav Vosner. Alors je vous demandais, pour lui poser la question, qu'est-ce que je fais? Comment faire maintenant? J'ai essayé toute l'année, j'ai pas arrêté de faire des tefillotes pour le trouver. Comment dire d'Avrachim Tzadikim comme ça? Toute l'année, fais des tefillotes, bon Shalom, fais-moi trouver cet Avrach que je demande Mehila. Il a peur? Ajachem Israël al-Ba'alem. Et voilà, j'arrive, je pensais que le Rav Vosner, il recevait les gens à partir de 2h. Ah, je me suis trompé, à partir de 3h. Donc j'ai une heure de libre, qu'est-ce que je fais maintenant? J'habite même pas là, j'habite l'autre coin de la ville. Je suis venu ici pour le Rav Vosner. Et comme j'ai une heure de temps, de libre, alors je me suis dit, bon, si déjà je vais profiter pour aller me faire couper les cheveux. Et j'arrive là et je te trouve. Regarde, Kadosh Baruch Hu est là, il a arrangé les choses. Mais son coiffeur n'est pas venu le voir, il a eu des contretemps, une fois, deux fois, trois fois. Et l'autre, le Rav Vosner, pourquoi? Pour qu'il puisse demander sa mehila. Pourquoi? Il a fait les tefillot. Les tefillot. Kadosh Baruch Hu, quand il voit quelqu'un, il fait les tefillot. Hayab, sous la tefila mikol halev. Combien c'est très important. Et encore autre chose, une histoire, on conclut avec. C'est le koah de Kabbalah. Kabbalah. Prendre une Kabbalah. C'est-à-dire, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est. Parce que malheureusement, chaque année, on vient avec beaucoup de bonnes intentions, mais on sait très bien, bon, on a arrêté à aimer. À la fin, tout s'estompe, mais on a oublié Bichlal qu'il y avait Rosh Hashanah l'année dernière, il faut refaire un nouveau. D'ailleurs, on posait la question, pourquoi ça ne suffit pas Yom Hadin après 120 ans? Pourquoi il faut chaque année? Chaque année, c'est pour payer les tashloumim. Si Had Veshalom, les Havot, grandissaient jusqu'à la fin, je ne sais pas si on n'aurait pas pu s'en tirer. Donc chaque année, il fait Yala Ma'avir, Richon, on fait Tshuva, Jibuchon et Mohed, et on continue. Donc il dit, quand on prend une Kabbalah, Rabbi Léolopien dit, c'est une Zgoula. Si on veut avoir une année florissante dans tous les domaines, Kabbalah, Tova. Afilou Ktana, même une petite Kabbalah, c'est-à-dire un engagement de faire quelque chose, d'Ikvod Hashem, même si c'est petit, mais continue, jamais n'oublier cela. Parce qu'avec ça, tu es mis caché avec Akadosh Baruch Hu toute l'année. Ça, je le fais, je me suis engagé au début de l'année pour l'Ikvod Hashem. Je le fais. Et chaque jour, je le fais. Même si c'est petit, pas trop grand. Qu'on puisse, c'est sûr qu'on va le tenir. C'est Hachiratza Bechavana. Même si disons, on ne peut pas faire toute la journée Hachiratza Bechavana, au moins une fois par jour, la première fois du matin quand je fais Bechavana, c'est une Kabbalah. Je haine, machéier. Quoi qu'il en soit, je fais là. Ou alors toutes sortes de Kabbalah. Alors, il y a un grand Darshan aujourd'hui à Nebrak, un Hacham et Tzadik. Alors, il s'appelle Rabbi Haim Zaid. Et il a commencé à être connu. Lui, il raconte, il a eu une bracha de Rabbi David Mohatzer, chez Hir, que je lui donne toujours des histoires vraies, vécues, que lui, il vit pour pouvoir être mechazek à Israël. Et ça lui arrive très souvent. Chaque jour, il a une histoire qu'il a vécue, dans laquelle tu vois des nizim, niflaot, comme l'histoire, je pense, je vous ai déjà raconté une fois. Et voilà encore une, c'est ma mâche invraisemblable, et avec elle, je conclue. Il dit qu'un jour, il y a une jeune fille de ses talmidotes, dans des cours même aux femmes. Alors, un jour, il y en a une qui l'appelle et dit, Rabbi, j'en peux plus. Ça fait déjà, j'ai déjà 30 ans, j'ai pas encore trouvé de chidour. Jusqu'à quand? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'était un peu avant en chemin. Elle dit, écoute, je viens de lire dans le Rabbi Elion Lopian que c'est une Kabbalah extraordinaire. Quand on prend une bonne Kabbalah et on applique chaque jour, ce goût-là, c'est comme ça, alors quelle Kabbalah je prends? Il dit, écoute,
C'est à toi de décider. C'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux prendre comme Kabbalah. Mais dis-moi, la Kabbalah que je prends, c'est faire Moussa. Chaque jour, je m'engage à une demi-heure de l'imout Moussa. Mais je ne sais pas quel livre je prends. Mais il dit, bah, écoute, tu prends le livre du Rav Pinkus, c'est bien, c'est Mahadev. Mais il dit, d'accord. Elle s'est engagée. Bon, l'année... Mais son cours, il dit, elle passe. Aux environs de Pessah, elle l'appelle encore une fois. Ça fait déjà 6 mois que je fais chaque jour Hatisha, j'ai jamais raté. J'ai fini tous les livres du Rav Pinkus. Tous les livres du Rav Pinkus, j'ai déjà fini. Alors maintenant quoi? J'ai pas encore trouvé de Hatan. Je ne sais plus quoi lui dire. Il dit, non seulement j'ai fini le rapine couche, j'ai commencé Shahar et Tchouba. Imagine une fille qui fait Shahar et Tchouba, comme dans les Chinois. Il y avait Shahar et Tchouba, et je ne trouve pas encore de Hatan. Je ne sais pas quoi lui dire, comme il est souvent chez le Rabbi David Aber. C'est-à-dire, elle a été le voir. Elle dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais? Elle me dit qu'elle n'a pas trouvé. Elle dit, mais rien, l'année n'est pas encore finie. Mais ça, t'as chien, qu'elle continue à Shemir Azor. Il lui a dit, continue à Shemir Azor. Elle a continué. Parallèlement, il fait un voyage en Suisse avec un groupe d'enfants malades, des malades de poumons, pour les prendre dans les Alpes suisses, dans les grands sommets. Il y a de l'air très pur qui les aide à guérir ou au moins se sentir mieux. Et ils vont. Ils montent dans un téléphérique, le Rhône, l'Akhbal, téléphérique. Ils montent. Ils arrivent à un sommet, une certaine montagne. J'ai oublié un peu le nom, Chapna, je pense ça. Il monte là-bas, c'est une montagne dans laquelle on ne peut pas rester plus qu'une demi-heure, parce qu'il y a très peu d'air, très peu d'oxygène, c'est dangereux de rester là-bas plus qu'une demi-heure, il faut tout de suite redescendre. C'est très haut, ça monte dans les nuages. Bon, pendant qu'il était dans les nuages, eh bien, la demoiselle qui le rappelle, « Rabbi, je n'ai pas encore trouvé de chidour. » Ça veut dire que j'ai déjà fini tous les. Je peux devenir Mashgiach moi-même. J'ai déjà fait tous les Ibrahim Moussa. Je suis Mashgiach. Je peux encore trouver Chidlo. Je dis, écoute, maintenant je suis pas en état de te répondre maintenant. Mais Ezrat Hashem, continue. L'année n'est pas encore finie, continue. Le rabbi David a déjà dit, continue, t'inquiète pas. Bon, elle s'inquiète pas. Et lui, il retourne avec son groupe. Dans l'avion en retour, il y a justement un baron et Shiva qui se sont à côté de lui. Il commence à discuter, comme si, comme ça, où tu étais, où tu vas, où tu viens, d'où tu es, mais Aïnata ou l'Anata Olech. Alors, le Bahour, il s'avère qu'il arrive d'Angleterre. Il dit alors, lui, raconte, nous on était dans telle et telle montagne en Suisse avec des enfants, Chapna. Ah, ne me parle pas de cette montagne-là, j'ai subi là-bas quelque chose, ça a failli se terminer par un drame. Dès que tu me parles de ça, ça me fait mal, je ne veux pas entendre parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Finalement, puisque tu es là, c'est que le Baruch Hashem, tu as eu un S, donc il faut dire tout d'un coup, raconte-moi, Yadou Hashem Hasdo. Il s'approuve, ma Asa Benina, il faut raconte-moi, au contraire, c'est bien, tu vois. Il dit, bon, écoute, on était une fois dans les Alpes suisses, on était là-bas, etc., etc. Et j'ai pris le dernier téléphérique avant le coucher du soleil. Et bien entendu, il fallait, si je le rate, c'est la mort, sûr. Il ne faut pas le rater, le retour. Il faut remonter, parce que sinon, quand il y a les ténèbres là-bas, c'est Hosher Mitzrayim, et c'est les avalanches de neige pendant la nuit. À part le manque d'oxygène, c'est Bekitsou, Mita Meshuna, Skila, Sref, Varek, Vahene, les quatre à la fois. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a été là-bas pour photographier le coucher, le massin. Et le téléphérique, c'est reparti. Dès qu'il a compris qu'il avait raté le téléphérique, il a compris que c'est le compte à rebours. Il a commencé à prier, les bonnes choses, voilà. Je me suis engagé, j'ai pris des kabbalotes, j'ai pris une kabbalah de lire chaque jour, faire Hatzisha Amoussa, Chokmelo Yavo. Je me suis engagé à faire étudier tous les sfarim du Rav Pinkus et le Shahar et Tchouva. Les bonnes choses, grâce à cette kabbalah-là, tu vas me sauver. Impossible que ce soit autrement. Dès qu'il a fini sa fida, le téléphérique remonte vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Les techniciens, deux techniciens dans le téléphérique, sont montés à main pour réparer quelque chose là-haut. Jamais ça leur arrivait de réparer, mais ils leur a mis dans la tête, il y a quelque chose à réparer là-haut, ils ont cru que là-haut. Dès qu'ils l'ont aperçu, tu es fou, qu'est-ce que tu fais là? Ils lui ont donné une amende.
Ils l'ont taxé de Naman parce qu'il s'est mis en danger. Il n'est pas revenu à l'heure. Mais il a eu la vision. C'est pour ça qu'il ne peut plus parler de cette montagne-là, ça le traumatise. On a dit, ah bon, Hachem, heureusement que tu es... Alors dis-moi, quel âge tu as? J'ai 28 ans. Alors, Shidour, ah, je suis déjà désespéré, Haval al-Azman. Il a dit, qu'est-ce que tu penses? Moi, je peux te trouver une fille qui peut être ta Havruta pour le Moussa. Ah, toi, tu as Rabbi Pinko, je vous ai interrogé, ça va être extraordinaire. Tu veux la rencontrer? Il dit, ah, ben, mec, tu es sérieux? Oui, bien sûr. On a rencontré Shidour, c'était Elul, Tavshin Aïnvab. Donc on voit le quoi du Kabbalah. Donc maintenant le jour, les journées qui restent maintenant Bezrat Hashem jusqu'à Rosh Hashanah, c'est travailler, mais sonder notre mettre, faire des heures de il faut beaucoup de moussa, mais chaque chose de moussa, essayer de l'attacher à nous, savoir comment est-ce que ça nous parle, qu'est-ce qu'on peut faire comme Kabbalah, quels sont nos vrais problèmes et sur quoi on doit être mitrasé. Et prendre une petite Kabbalah, l'Ikhbod Hashem. Et avec ça, Bezrat Hashem Barach, avec les Tfilot, avec les Kabbalot, Bezrat Hashem Izkeh, Kulanu, Lishanatu, Amorechet, Yo, Hatimatu, Amen, Keni, Ratzon.